de ce qui s'est passé à Tézouzou, le décès tragique de Ebossé. Vous avez connu ce joueur, vous l'avez affronté peut-être à plusieurs reprises. Ça vous a choqué, vous, les joueurs, ce qui s'est passé? Exactement. C'est vraiment une catastrophe pour le football algérien, pour la famille du joueur et tout. Donc, je pense qu'il a tout dit. Le sport, c'est un spectacle. En Europe ou même en Tunisie ou au Maroc, on part en famille pour assister au match, rencontre et tout. Donc, je pense que même pour, en cas de défaite, ou, la mort n'a pas de place dans le football. C'est un jeu. Il y aura toujours un gagnant et un perdant. C'est pas comme quand on gagne et on applaudit, et quand on perd, il y a des catastrophes. Il y a un mort d'homme. Maintenant, ça va être difficile pour vous, les joueurs, pour la reprise, donc pour reprendre le championnat et jouer encore des matchs. Ça va être très, très difficile. Pas que pour les joueurs. Il y a les arbitres, il y a les dirigeants, il y a même les supporters. Là, c'est devenu un peu dangereux pour tout le monde, pour tous les sportifs. Donc mais pour les joueurs, pour l'instant, c'est un peu difficile de reprendre à jouer. Monsieur Youbi, est-ce que c'est vrai que le football maintenant est devenu dangereux? Est-ce que maintenant, le football en Algérie, c'est un danger pour les joueurs, pour les arbitres, pour même et des supporters? Tout d'abord, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt Ebossé. Et pour ce qui est de la violence qui règne dans nos stades ces derniers jours, bon, je ne sais pas ces derniers jours parce que la violence ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Seulement, les instances du football national n'ont pas pris en considération, en charge ce phénomène dès le début. Parce qu'on a remarqué la non-application des textes régissant le football national. Il n'y a pas de sanction. Normalement, dépassement il faut sanctionner. Il faut une sanction ferme et rigoureuse. Il faut éviter les formes d'indulgence. C'est ça, voilà. Ce qui fait que les violences se propagent dans tous nos stades. Malheureusement, il n'y a pas uniquement les violences verbales, il y a les violences physiques, corporelles. Donc c'est malheureux. Mais non, pour le championnat, non, il n'y a pas de danger. Pourquoi le danger? Il faut seulement appliquer les règlements et les lois du jeu et les textes. Justement.